Bonjour à tous, bienvenue ici à Kiev, donc dans les studios de CQMI, en fait dans l'appartement de Borislava pour être plus exact. Donc les nouvelles du front, je dois dire un peu fatigué parce que je vous cache pas que quand je suis à Kiev, c'est de 7h le matin jusqu'à 1h du matin. On a des journées infernales. Mais on arrive à garder la tête hors de l'eau, donc c'est tant mieux. Et puis de toute façon, on aime ce qu'on fait, donc on compte pas nos heures. Ici, le temps s'est un petit peu dégradé. On a eu aujourd'hui de la pluie et on a fait pour la première fois un tournage dehors sous la pluie. On est rentré, on était frigorifiés, mais on a fait aujourd'hui un tournage extraordinaire avec une femme magnifique. Je suis encore sous le charme de cette personnalité. Mais ce n'est pas la personne que vous allez voir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir Alice, une femme de 53 ans, qui a été tournée la semaine dernière. Donc, alors, effectivement, voyager à Kiev, pour être honnête avec vous, c'est quand même, il faut quand même pas s'attendre. Ben, en tout cas, pour nous, les Canadiens, pour les Français, ça va être différent, mais pour nous, les Canadiens, il y a quand même 7 heures de décalage horaire. Et ça, c'est sûr que, en tout cas, moi, pour mon organisme, des fois, je trouve ça un petit peu difficile parce que, quand on se lève le matin, c'est comme si on se levait à 1h du matin, en fait. Donc le corps, il est un petit peu complètement désorienté. Je dois dire que les matinées, ici, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Parce que c'est comme si vous travailliez pendant la nuit, donc c'est un petit peu difficile. Mais bon, la deuxième semaine, ça va déjà beaucoup mieux. Puis en fait, c'est à partir de la troisième semaine qu'on ne sent plus de symptômes. Mais en fait, la troisième semaine, je serai déjà retourné puisque mon voyage s'achève. Je reviens à Montréal dimanche avec Michel. On sera dans le même avion. Donc, retour au bureau lundi pour tous ceux qui veulent m'appeler et procéder à l'inscription. Donc, de nouveau disponible la semaine prochaine, le lundi 18 avril. Donc voilà. Alors, plusieurs commentaires suite à la dernière vidéo. Bon, il y en a certains qui ont été déçus. Antoine, tu ne vas pas nous accompagner. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, effectivement, ce que je vous expliquais la dernière fois, je ne peux plus me permettre financièrement d'accompagner un client à la fois. Pour moi, ça veut dire que je paye de ma poche, en fait, hein, pour vous accompagner. C'est un petit peu ça qui se passe. Puis il faut compter billets d'avion plus le logement bientôt, puisque Borislava sera à Montréal. Donc, pour moi, je pourrais seulement faire des accompagnements de groupe à partir de maintenant. Donc, on a dit donc les prochaines dates qui seraient du 24 juillet au 6 août. Peut-être que ce sera un petit peu plus long pour moi parce que je vais en profiter aussi pour faire des vidéos. C'est sûr que les vidéos, j'aime ça, c'est bien. Puis vous aussi, vous aimez ça. Donc là, je suis en train de collecter un maximum d'entrevues pour pouvoir vous en montrer un paquet toutes les semaines, une nouvelle entrevue. Et puis au mois de juillet, j'aimerais ça aussi continuer à en reprendre. Par contre, je referai un autre voyage à l'automne, hein, donc probablement octobre, qui était aussi une très belle période pour visiter Kiev. Octobre, novembre, et puis probablement aussi pour Noël, Nouvel An, où je serai certainement ici, puisque c'est sans aucun doute une des plus belles périodes pour être à Kiev. La période de Noël et la période du 1er janvier. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et puis après, si vous voulez voyager à vos dates, ben vous avez toujours la possibilité de le faire. On ne vous contraint pas, on vous offre des options. Il faut voir sous la forme d'options et non de contraintes. Et si vous voulez voyager seul, vous aurez Nadia. On a passé d'ailleurs 2 heures aujourd'hui avec Nadia pour lui expliquer exactement comment on attendait qu'elle fasse la semaine ou plus qu'elle va passer avec vous. Donc on lui a tout expliqué dans le détail, elle a pris des notes, comment elle doit faire, le feedback avec l'agence, etc., etc. Donc vous allez avoir un service en français
sur mesure et le même service que Michel a reçu quand je suis là. Donc tout est fait pour vous offrir le meilleur des séjours possibles et surtout pour vous permettre de rencontrer votre futur conjoint. Donc il ne faut pas l'oublier que c'est notre objectif principal. Alors avant de voir la vidéo de Alice, qui a 53 ans, qui est une femme superbe et très très intéressante, qui parle en anglais, je voudrais vous parler cette semaine-ci, le quart d'heure psychologique du CQMI. J'ai commencé à faire des articles où on parle un petit peu plus de psychologie, ou enfin, pas vraiment de psychologie, mais de coaching en fait, à proprement parler, puisqu'en fait moi j'ai un diplôme de coach. Et Borislava est psychologue, donc on se pose beaucoup de questions sur tout l'aspect. On ne fait pas juste que vous présentez des femmes, on essaye aussi de réfléchir un petit peu en hauteur sur le contenu de ce qu'on fait, et puis aussi on apprend de chacun des clients qui vient à Kiev. C'est toujours très très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, ça fait déjà plusieurs mois que je voulais parler de ça. J'appelle ça le syndrome en fait du magasin de jouets. C'est moi qui ai inventé ça. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant qui rentre dans un magasin de jouets pour la première fois. En tout cas, moi, j'ai deux enfants. Je les ai élevés. Donc, je sais ce que c'est qu'un enfant qui rentre dans un magasin de jouets. Probablement que vous aussi, vous avez déjà vu ce qui se passe. Et souvent, ça se finit très, très mal. Parce qu'il est confronté d'un seul coup à un tel choix, une telle quantité de possibilités de jeu pour lui que en fait il y a quelque chose qui se dérègle dans sa tête et il se met à perdre complètement les pédales et souvent bah, ça se finit dans les pleurs, dans les cris et on est obligé de le sortir du magasin sans qu'il ait pu acheter le moindre jouet. Donc c'est en tout cas moi ça m'a frappé de voir ça. Je l'ai vu souvent, je l'ai vu aussi avec mes enfants et quand en fait vous allez, vous en tant que client, venir en Ukraine, vous allez être soumis un petit peu à ce syndrome du magasin de jouets. Bon, je ne veux pas qu'on fasse d'analogie entre rencontrer des femmes et des jouets, puisqu'en fait il n'y a aucune relation entre l'un et l'autre. C'est simplement au niveau de la partie psychologique de la chose en fait. C'est la réaction psychologique qu'on a quand on est confronté d'un seul coup. Et justement, j'ai eu un courriel d'un client qui était là au mois de décembre et puis qui est revenu de lui-même en fait, qui dans son courriel nous expliquait que en fait c'est un client qui projette de revenir en Ukraine cet été et qui était là, qui est déjà venu. En fait, il expliquait que c'est très très incroyable, c'est incroyable pour l'ego. Surtout quand on arrive du Québec, de tout d'un coup être l'homme le plus populaire en ville et d'avoir un tel succès auprès des femmes. Et vous allez, puis dans le cas de Michel, c'est effectivement aussi ce qui se produit, sans rentrer dans les détails, mais Michel a eu un succès extraordinaire, pratiquement lui-même, il explique que c'est difficile à concevoir et à comprendre que on soit devenu tout d'un coup, en changeant de pays, un homme aussi populaire, aussi intéressant auprès des femmes et avec des femmes très belles, toutes plus belles les unes que les autres. Alors, la question que je vous pose à tous qui me regardez présentement, c'est est-ce que, ce qui est dans la préparation de notre voyage, est-ce que vous êtes prêt psychologiquement à garder la tête froide, à garder la tête sur les épaules et à garder résolument votre cap vers en fait la personne que vous aimeriez rencontrer. On a déjà parlé dans la précédente vidéo. Est-ce que vous allez réussir à garder en fait le cap vers votre objectif, celui que vous vous êtes fixé, de rencontrer une femme qui vous convient, qui correspond avec vos critères, vos intérêts, etc. et en même temps d'être soumis à une telle quantité de choix et de possibilités d'un seul coup sur une période réduite en fait, puisque c'est des fois sur une période de une semaine, 9-10 jours, vous allez avoir plein de possibilités. Alors ça devient un choix cornélien en fait, vous ne savez plus où mettre la tête, vous ne savez plus quoi faire, et c'est pour ça que vous avez besoin à ce moment-là d'un support un petit peu psychologique, de quelqu'un qui vous ramène un petit peu la tête sur les épaules, parce que
Comme j'ai déjà dit à plusieurs clients sous forme de blague, au Canada, on ne peut pas se marier avec plusieurs personnes en même temps. Donc il faut faire un choix, vous êtes obligé de faire un choix. Et donc c'est souvent un petit peu un choix dramatique parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas préparé à ça. Donc c'est dommage que lors de votre premier voyage, quand vous allez être soumis à ce stress-là, parce que c'est un stress sur le plan psychologique, en tout cas je le pense, et avec Borislava, on en a beaucoup parlé, on en a parlé aussi avec notre partenaire, comment vous allez faire pour réagir à ça? Donc, est-ce que vous avez suffisamment d'expérience de vie? Est-ce que vous avez suffisamment la tête sur les épaules pour pouvoir contrôler vos émotions et pour pouvoir, à l'issue de cette semaine ou de ces 15 jours que vous allez passer en Ukraine, savoir faire le bon choix pour vous, pour votre avenir, pour votre bonheur personnel, pour votre vie de famille? Donc pensez-y et puis peut-être essayez de vous y préparer mentalement. Bon, comment y faire? Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'écrire tout simplement sur une page, sur une feuille de papier, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, comment choisir votre conjoint. Je pense que c'est une vidéo qui est vraiment critique pour vous de regarder avant votre voyage. Essayez de vous asseoir, d'aller de vous isoler dans la forêt ou au bord d'un lac ou dans un endroit qui vous plaît, un endroit dans lequel vous avez l'habitude de vous recueillir personnellement pour prendre un peu de la hauteur sur votre vie, puis de penser, de vous isoler et de réfléchir quels sont les, sur le plan émotionnel, évidemment, sans que ça devienne des critères, mais comment vous voyez votre future conjointe? Quelle est-elle du point de vue du caractère, du point de vue émotionnel, du point de vue de la vie que vous avez à lui offrir, du point de vue de votre personne. En tout cas, moi, c'est un exercice que j'ai fait avant de rencontrer Borislava et ça s'est avéré extrêmement concluant. Donc voilà le syndrome du magasin de jouets. Donc c'est le sujet de cette vidéo psychologique. Alors, on va passer sans plus attendre à l'entrevue d'Alice, puisque ça fait longtemps que vous n'avez pas eu droit à des entrevues, je m'en excuse, puisque j'en avais plus. Donc là, par contre, vous allez en avoir beaucoup, beaucoup plus, donc moins de paroles de ma part, puis plus d'entrevues. Retrouver, pour vous, c'est aussi un moyen de voyager, c'est un moyen de rentrer en communication avec ces femmes de façon indirecte. Alors Alice, c'est une femme très intéressante, et c'est une femme qui va illustrer quelque chose que je vous disais dans des précédentes vidéos. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle, sophistiquée, qu'elle s'habille bien, qu'elle a du style, qu'elle a de la classe, qu'elle ne peut pas vivre dans la nature, et qu'elle ne peut pas mettre des bottes, un jeans, et aller vous aider dans le jardin pour planter des fleurs, ou pour cueillir des champignons, ou pour couper du bois. C'est une association que vous faites dans votre tête, puisque je sais que vous êtes beaucoup à vivre dans le bois, dans la forêt. Ces femmes-là, en Russie, en Ukraine, sont des femmes très simples. Mais quand elles s'habillent bien, elles vont s'habiller très très bien, et elles vont s'habiller de façon très belle, très sophistiquée. Donc Alice, c'est un exemple parfait. Donc là, vous allez voir Alice qui est très très bien habillée, une femme de 53 ans, qui est très féminine, qui, vous allez voir, même elle a des gants très sexy, elle fait attention à chaque détail, la mode pour elle c'est très important, mais en même temps elle nous a dit, puisque je lui ai posé carrément la question, puisque en fait il y a eu un malentendu avec un de nos clients, je lui ai posé carrément la question, est-ce que vous êtes capable de mettre un jeans, de mettre des bottes, puis d'aller mettre les mains dans la terre, et puis d'aller dans la forêt, de marcher 5-6 km, puis de cueillir des champignons? Et la réponse, vous allez voir ce qu'elle va dire, c'est assez surprenant. Donc, ne faites pas d'amalgame, ne mettez pas des idées dans la tête des femmes, ne mettez pas vos craintes dans la tête de ces femmes. Essayez plutôt d'apprécier leur beauté et de leur dire qu'elles sont belles, et en même temps de les inviter à, quand elles seront chez vous, en France ou au Canada, à aussi savoir mettre des habits de travail et puis de vous aider tout simplement à entretenir la maison ou aller se promener dans la forêt ou faire une balade en vélo ou faire peu importe l'activité qui vous plaît. Mais par contre, c'est des femmes qui vont le vendredi soir ou le samedi soir qui vont se faire belles pour vous.
et pour aller au restaurant ou pour aller au cinéma. Donc ce sont parce qu'elles savent que les hommes aiment ça. Et je pense que tous, autant que nous sommes, en tant qu'hommes, on aime ça, voir une femme bien habillée, sexy, féminine. Voilà. Donc, apprécier, j'ai malheureusement peu de temps parce que on croule sous le travail. Donc, j'ai pas aussi bien séquencé donc, c'est plutôt une entrevue en rafale. Ça rend la chose encore plus naturelle pour vous parce que vous voyez exactement comment ça se passe. Il n'y a pas de mise en page ou de mise en scène. C'est du brut. Donc, appréciez. Et puis, on se retrouve sur notre prochaine vidéo depuis Montréal. Donc là où je vais avoir plus de temps de faire des vidéos de nos adhérentes. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment des adhérentes très, très, très intéressantes. Merci et passez un bon week-end. Все видят, что мы смотримся на солнышко. So, so your English is perfect, right? I'm not gonna ask perfect or not, but I think it's normal for Ukrainian lady. It's normal. Because you work in English. Usually I do my correspondence and my. Talk to my colleagues in English usually. Yeah, in French rarely I do that. Oh, you speak French? Un petit peu. Un petit peu. Oui, oui, exactement. Vous avez appris le français? Oui. Où ça? No, on va continuer en anglais. C'est dommage, je ne peux. Vous êtes allé en France? Oui. Ah, ok. So yes, we can speak in English. Yeah, we can speak in English easier. Yeah. So, could you introduce yourself? Could you tell us who you are? Okay. Anything you want to say about you? First of all, I'm Alice. I was born in Uzbekistan, is Muslim country, so far away from here. And I came to Ukraine in my 13 years of old, and I finished my secondary school here, and I finished university here, and postgraduated school. With a semantic of Russian languages in University of Dragomanov, Kiev. So I am 52 years old and I have two perfect boys, 22 years old and 32. They are really brave guys and I'm really proud of them. And I work in the travel industry. I am tour operator. I do operation with France, USA, UK, Great Britain, Italy, Switzerland. It's the main location what I trying to sell. Okay. I say trying. It's for now, for this economy situation, it's really trying because we're struggling with this economic crisis. But it was so good a couple of years ago. Mm-hmm. But now it's a bit tough, but it's still okay. I feel good. So do you travel a lot? I travel. It was. In a good time. In the previous years, I work from 2000 in travel industry, so I was traveling a lot. But now, last 2 years, it's not so frequently as I used to. Okay. Because it was like a familiarization trips and educational trips. We visited the hotels, the best hotels of the world, the best spot for entertain the people, because we do luxury travel, so we should know what this kind of service it is. Okay. And we should to get some experience in this place. So I feel lucky that I visited the best places of the Europe mostly. Mm-hmm. Because I never been in USA and never been in Canada, never been in USA because it wasn't for work. I should go there for my pleasure or for
travel trip, yes, and never enough money for this long trip because I was fully busy with my work. Okay. I never get holidays. Готово? So, what do you know about Canada? When we tell you about Canada, what image comes to your comes head? To me, it's a cold country, but evergreen. I think it's very beautiful, pine trees everywhere, mountains and beautiful lakes, absolutely with a like a glass water, like not like this, and very clean, and people are simple and very kind. That's what first picture I you have. Yeah. I never been there, and I of course I studied in school about the Canada, but most about economy. I know Montreal, I know Quebec, Toronto, Vancouver, and I know everything what related to the Olympic Games. That's it. Okay. Actually, so something that my clients tell me about about not just about you, but some clients they tell me Antoine, look at this woman in Ukraine. They are very sophisticated, very beautiful. Oh yes, sorry, but it. And they say these women they will never adapt to Canada because Canada it's a country with. Oh really? Simple people and nature and things like that. So what would you like to tell to these men when they... I think it's a wrong impression about the sophisticated woman, because sophisticated it doesn't mean very posh and very very choosy, you know. It's sophisticated, it's I think it's a kind of fashion. It may be fashionable because we are women. We in Ukraine, women like to be trendy because we are close to the Italy, to the France. We copy that and we like it because okay. It's quite feminine. That's why we look like that, because if you go to the German, you will see different type of women. They are sophisticated too, but in a different way, and I think it's wrong. So it's a wrong. So it doesn't mean that you are a lady, beautiful, and you cannot go in the nature and. No, I'm lady, yes, but I go to the nature. I pick up the mushrooms. I know very well the kind of mushrooms what I can pick up, and I cook and I do my homework. Absolutely, I don't have a femme de ménage, for example. I do all this work in a house, in my father's house, in my mother's house. I do by myself. And so you said you were from Uzbekistan? So yeah, you were born in Uzbekistan? Yes, my father used to work there and I was born there. And Uzbekistan is a Muslim country. It's a Muslim country. So yeah, so I have in my mind a bit Muslim standards, the way how to treat the men. You know, and when you were young in Uzbekistan, did you stay in the big city or in the No, in a small city. It's just like a suburb of Bukhara. It's a small. It's not a city, just like a village. It was a big pipe for gas, and my father used to work there. Okay, so. So it's a wrong impression. Absolutely wrong. I love the nature, and I prefer to stay away from the crowd, from the people, from the I like the city, and I like the city life only because I can visit museums, I can visit the park, any galleries, but I don't do that in the weekend because I trying to stay away from the crowd. And so if you meet a man who is more like, so the Canadian men, they are more strong. Strong men, but they don't have, they are not fashionable like men in Italy. Men. They don't really, they,
how would I say that? For you, it's not a problem if the man... Men shouldn't be like a fashion boy. I don't like. If I like it, I will marry with a Ukrainian or Russian guy because they are really fashionable. No, I don't like that. Men should be a man. He should care about the house, about the financial situation in the family, about the material and aspects, and women should care about the humanitarian and silence and coziness and glamorous in the house. I think that. Okay. Yeah, because it would be comfortable. It would be nice to come back and to have a dinner in the sunset with a glass of wine. You are registered to, it's a Canadian wedding agency. Yeah. How do you imagine your life with your man in Canada? Let's be crazy. Let's imagine how that would look like. I saw the dream some years ago. Then I live in a house, not so big, just house, normal, good, with the stairs, wide stairs. It was wide stairs, and it was on the top of the hill, and there is a small lake on the down, and that's it, nothing around, just trees and green grass. And I remember my red car. why red? I don't know, but I saw the dream, and when I woke up, I said, that would be nice. I will live there. That's my imagination. Sometimes comes true. Yeah. Sometimes. I never know, but I don't see my future life in the city center and skyscraper. And I like the city, but I try to hide in my cozy place after that. Okay. Immigration, so right now with Borislava we are going through the immigration process. Okay. And it's a lot of work because you need to move to a different country, you need to adapt to different mentality, to learn a new language, French. Mm-hmm. Are you ready to make all these efforts? Sure, I don't think it's too. It takes big efforts from me because I'm. I used to travel. I used to communicate with a different kind of nationalities, and I feel really comfortable in any place in Europe. I don't know how I get my impression in Canada, but I'm sure it would be not so crazy different between the France or. Switzerland and it's Canada. I don't know. Okay. I used to work with the papers because I'm a travel agent, and I did always for my clients all documentaries for visa support. You know, I know that. I know how it works, and sometimes it's not so easy, but it's just documentaries. If you are honest, if you do what you know what you do, how it should be, in the accurate, and it's lawyable, why not? It's always successful.